On vient de se réveiller en pleine nature, à côté d'un petit cours d'eau avec une eau bleue turquoise, ça fait bien plaisir. Là je pense qu'on va un peu chiller ce matin, installer un hamac et puis un petit rope swing pourquoi pas. C'est parti. Et le retour. Ok, bah y a pas l'argent. Ouais, bah même pour faire une échappe en vrai c'était chaud. Ah bah c'est pas possible. Et si on monte un peu là. Ah c'est bon. Oh. Oh. Ah yes! Ah bon, faire une échappe, c'est chaud, mais ouais, ça va le faire. Ça va le faire. Hein. Allez, ça dub! Il est trop stylé. Oh, c'est trop bien. C'est un bonheur. C'est le meilleur swing. Là il va tomber dans l'eau, il est foutu là. Il est foutu. Foutu pour foutu. Oh lui. Il détruit la nature, malin. Mais mec, je sais pas comment il va faire en vrai. Ça va quand même être chaud. Oh, pas con! Mais je vais me prendre l'arbre là en fait! Ah! Faut que tu le chopes! Oh! Oh. Mais non! Un animal! Ce genre d'animal! Mais non! Quoi? Mec, il est trop chaud! Oh! Comme ma fille, il aura pas peur! C'est ça, on t'a mis une jarre! Oh! Yes. On est un petit peu comme au paradis ici. C'est un peu la forêt de Sherwood dans Robin des Bois. Je sais pas si vous avez la ref, mais en tout cas, moi ça me fait plaisir. Ça y est, on a fini notre plan drone FPV. Là, les gars démontrent les hamacs et le rope swing. Du coup, j'en profite pour vous parler un petit peu de notre site. On vend nos vêtements et on vend aussi plein de posters, plein de choses cool. Donc si vous voulez nous soutenir, n'hésitez pas à aller faire un tour. Là, je pense qu'on va passer au spot suivant. Aujourd'hui on est au lac d'Esparon, on vient d'arriver en bagnole là. L'eau elle est bleue turquoise, ça fait trop plaisir. Je pense qu'il y a des cliffs, on va essayer de trouver ça. Là on se met en petite rando. Ah,
Ah non, c'est la queue de Mickey. Allez, allez. On est au manège. Et je fais le manège. Oui. Oh. Yes. J'ai la queue de Mickey. J'ai le droit de faire une échappe. Bon, leur upswing il est bien, mais il est pas grand en fait, donc le balancier il est vraiment hyper lent et moi j'arrive pas à comprendre le principe du truc. Oh. Wow. Ah, de ouf. C'était trop bien. Bon, vous l'avez sans doute remarqué, mais en ce moment on fait pas mal de cliffs. Déjà parce que avec le confinement on a été un peu bloqué à Rennes pendant pas mal de temps, donc on a un peu marre d'être dans des endroits urbains. Là on revient un peu aux sources, dans des endroits naturels, ça fait plaisir. Et puis aussi il y a pas mal de blessés en ce moment dans la team, on est 4, il y a 4 blessés. Il y a Val qui s'est blessé à l'épaule, Fab qui est blessé à la cheville, Louis qui vient de se faire un genou là, c'est terrible. Et Flo qui a toujours sa blessure aussi, donc on a pas mal de blessés, mais on continue à faire des vidéos et à vous faire kiffer et à nous faire kiffer. Mais ouais, là en ce moment c'est plus cliff diving. Bon, on est sur un petit spot et on a une nouvelle tape parce que l'autre elle était trop courte. Donc cette fois-ci on a pris une 30 mètres. Comme ça il n'y aura plus de problème. Allez, c'est parti. Bon, du coup il y a 14 ouais. mètres. Tu veux la perche? J'ai cassé ma combi la dernière fois parce que je me suis baissé, elle a craqué. Je viens de casser la nouvelle. C'est terrible. Yes. C'est terrible. Bon, là on va sauter par-dessus l'arbre. On va courir là et hop, on va faire le 14 mètres par-dessus l'arbre. C'est parti. Tu te développes ? Ouais. 1, 2, 1, go ! Après la session cliff, on a trouvé une petite antenne au-dessus du lac. Et là, c'est le sunset. On va essayer de faire des plans de drone au coucher de soleil. L'antenne, elle est juste là. Les gars, ils vont monter. Ça va être fou. Thank you.
Let's go. Bandit.